doit mettre sur le pied et ne créer. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des conseils. C'est vrai, tu vends. Salut et bienvenue sur Club Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. 5 minutes Nabiso Yalelo Ezali. Édition spéciale Oyo Togolobele Labino na Katina yango na ndengi bomoni na titre. Président de la République Nabiso Boyebi Kazali na États-Unis na New York Sika Oyo a participé qui na 78e session y a assemblée générale y a Nations Unies Boyebi discours ango petrotche la bino na kanisi déjà na habité sur l'émission Ekokota avant ou après bo monaki discours moko magistral oyo toko mekako der cortiquer les bino des cartes au ça parce que bah discours oyo ezali net bah discours y a bah présent sousouté bah discours moko creux mais vraiment présent Nabiso Bozali comme on a Azali présent moko vraiment panafricain azota l'intérêt ya Congo pe ya Afrique donc wana toko lobela binongo na kati ya édition spéciale ya discours au président de la République Athéna qui na tribune ya Nations Unies mais lelo sujet Nabiso ezali présent avant à mata na tribune ya Nations Unies à Koutanaki mardi avant-hier le lot aux tournées émission Oyo je pense jeudi donc à Koutanaki la presse internationale mardi 19 donc autour il y a déjeuner président de la République a répondu qui donc nandeng moko vraiment ils avaient qui convivial donc bazo dame bao bae ba chakai banini donc bazo solo là et puis pour la première fois, président de la République Nabiso a répondre na ba question oyo nanu a répondu te. En tout cas exercice wana il faut ala président moko ya démocrate, président moko a ndima liberté d'expression, président moko azali dictateur te sinote okundima. Ba question et réponse ande konate parce que ezali presse internationale et puis ba trier ba question te ba filtrer loko moko te journaliste azo poser ba question oyo alingi a poser donc vraiment président de la République a répondu qui na ba question tout sans à n'esquiver aucune et puis a profité qui na occasion wana pour a confirmer donc candidature na ye na présidence de la République boyebi ba congolais nyo surtout bazali d'accord donc vraiment to ebité vloba ba 2% ba 3% oyo ba ndoki ba lingité président de la République azo amanda mususu mais ce que tout ni congolais nyo surtout en tout cas oyo akoloba le contraire na oyo nga na zoloba loba azali motema mabe biso moto zo mona Marc Mboka na biso zo kende et sika présent zo ki yango donc vraiment président Azali vraiment na besoin à continuer musala na ye donc à répondre ki na ba question nyo surtout donc netu oyo batu dernier makutu ex président ya Seigneur lo ba ki yango et puis batu mususu balobaka na côté ya PPRD balobaka ya eu arrangement politique pour l'élection Oyo Leka qui président de la République Fatshi Béton a gagné T. Donc Batumsu Batia qui a 15% congolais tous à sérieux. Na bato bazale ki wana à part Chadari dauphin il y a Kanambe a quoi ko tricher mais na ma solo Leka qui est-ce que vraiment UDPS y a présent Félix Antoine Tshisekedi ba sangana ki na caméra ba quoi ko zo 15% donc bato balbara vraiment que 65% qui n'en a failli n'a hébité en tout cas nga na monaka marque nini yango
Fayula ko yako zwa 65% donc na yebite en tout cas na yebite président R alobeli makambo oyo c'est la première fois aloba ngote aloba atangi na ba combo ya bato baza vivant oyo bangoye la ye ba marque neti neti oyo za la premier ministre Achada gezala boy aloba ki niet masolo ane zate nga na gagner élection président a ti défi alobi mutoyo azana discours mususu azana ba preuve aya koloba yango Alex ba preuve président yebiki a gagner ki et puis alinga ki jamais koza la premier ministre a mutu bien ko kota na mama solo ana ou bien président de la République ou bien Masolo Mosusu exacte donc vraiment beaucoup landa au président de la République à lobby na kati ya conférence autour ya déjeuner au na États-Unis d'Amérique avec la presse internationale à lobela ki pe pour la première fois na ipsa ki bino kuna ba question zalite ke oko posete donc bobi président de la République mais ça na déjà na exercice wana a watumuna ngo na redevabilité. Donc, président de la République a répondu à une question sur arrestation. Il y a Salomo bras droit à Katumbi, à l'oba qui tient à Nil Bakangiye. Et puis il a répondu à une question sous arrestation. Il y a journaliste Stanis Bujagera. Donc, vraiment, président de la République a répondu à qui na ba question wana vraiment beaucoup qu'on dit makoutouté. Donc, vraiment, na kati il y a émission, il y a lelo. Toko tchela bino bestré, toko expliquer bino ndenge le cas qui vraiment c'est pelisa qui batunyo surtout ba moni pesa qui est présent na biso donc akoyiko kima presté. Mais avant tout la kisabino o le cas qui mardi 23 autour il y a déjeuner donc face à la presse internationale tolingi to pesa bino nan information na cadre il y a news arep. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. News arrête boebi arrête pesali parti politique au nga nazana kati au ezali na union sacrée de la nation ezali sima ya président de la République oyo tokosa la nyoso tout au pesa président de la République majorité parlementaire donc ezali parti politique ya ministre d'état ministre ya aménagement du territoire maître Guy Luandomboyo yem tozali autorité morale ya parti politique au babengi arrête. Agissons pour la République. Avant yango tous ali kolak sabino ndenga na bina cadre kaka ya ba news ya arep donc boye bake autorité morale na biso maître Guy Luandomboyo ministre d'état ministre ya aménagement du territoire azo ki honneur ya ko participer dans lancement ya makutano au ezo salama na Abidjan na Côte d'Ivoire azala ki na délégation na premier ministre boye bike maître Guy Luandomboyo azali ba ministre oyo bazali na kati ya gouvernement oyo premier ministre Samalou Konta tiaka confiance et puis présent azana confiance na bango donc ndenge bomo na ba photo ba kendaki na Abidjan pour na ko participer na lancement ya makutano kuna na kati ya Abidjan et puis ministre d'État, ministre aménagement du territoire, autorité morale, il y a AREP, agissons pour la République, Azouaki, donc échange moro fritué, na premier ministre ivoirien Botala na Bilili. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite.
Donc bino morobo iti kolanda et les cas qui na Abidjan donc Guy Luandomboyo azala qui na délégation au premier ministre a mema qui na Abidjan kuna pour na lancement ya makutano donc vraiment wana azala qui news moko to tenaki to tchela bino ango parce que sinon te ekoleka sans to lobela yango boyebi ke na kati ya ba information na biso ya 5 minutes tozali na parti oyo to tchaka ba news ya AREP agissons pour la République parti politique oyo ngai nazali na kati oyo tozali sima ya président de la République Fatshi Baiton AREP ezali na idolo ya président de la République Fatshi Baiton. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus. Pour élever notre nation. Donc sikoyo to zongi na kati ya point de presse au Salamaki autour ya déjeuner mardi 19 président de la République na presse internationale. Donc toko banda liboso po na ko expliquer bino au président de la République a banda kinanu sur M23 boebu sécurité ya mboka ezo primé. Parce que ce qui stabilité guerre ezali na mboka bakosa la eloko mon côté président de la République a répondu qui concernant M23 a lobby que a koki ko discuter na bango jamais bango bazo senga to solola na bango président de la République a lobby batu wana baza ba criminel bazali ba criminel oyo Kagame azo profita za la sima na bango na but kaka yako yiba ba minere na biso. Donc vraiment trop c'est trop donc bato ba koufi et puis bato bazali ko koufa. Donc vraiment yé akoki jamais ko solola na batuana. Tokome mabango ka tina souk et puis a lobby ke armé na biso pour le moment de to komisiko yo. Ezali prêt et puis ezali capable yako défendre mboka na biso a inscrire loko mokote tozali siko boebi kala tozalaki na droit ko somba minduki te me bino moko bozomona armé na biso ndenge komi a lobby tozali na ko banga na loko mokote liboso parce que tozalaki na minduki te siko minduki otozui ezali ko sakanate a ko défendre mboka na biso tina suka li solo ezate na bato M23 to ko kende na bango kaka ndenge wana tina suka donc lobeli ya président de la République bozali ko comprendre que kalate donc to ko kote la Rwanda na ndenge penza donc to sabolaye ndenge to vide se Kagame parce que négociation ezata assister pe que ceux qui bomuniti le loba mekaka bakota Goma bakota kate parce que armée na biso e komi na makoki o ezali ko sakanate et puis bango moko bazo vivre ndenge armée na biso ezali ko beta bango donc bino moko bolanda oye moko alobaki concernant question oyo batuna ki est relative ya M23. Alors à propos du M23, j'aimerais vous dire que c'est un groupe de criminels qui est embarqué dans une aventure qui elle-même est criminelle emmenée par Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Et c'est parce que ce sont des criminels que nous n'allons jamais négocier ou entrer dans un dialogue quelconque avec eux. Je l'ai dit suffisamment, répété à plusieurs fois, et je vous le confirme à nouveau. Ils ont commis beaucoup d'atrocités, et ils continuent d'en commettre d'ailleurs. J'espère que la justice internationale, un jour, qui est saisie d'ailleurs, un jour pourra mettre la main sur ces criminels. Je me réjouis d'ailleurs que, et vous remercie d'avoir posé cette question parce que ça me permet de pouvoir ici, encore une fois, féliciter les États-Unis d'Amérique qui viennent de prendre une sanction de taille, d'importance,
contre le Rwanda en mettant fin à la coopération militaire avec ce pays. Parce que le Rwanda... Le Rwanda a fait du génocide malheureux qu'il a connu une occasion pour essayer de conquérir toute la région avec des ambitions hégémoniques de la part de son leader qui a écrasé tout sur son passage dans l'unique but de piller les ressources des pays comme la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous disons, ça suffit. Plus de 10 millions de morts, des millions, voire des milliards de dollars de pillés en ressources naturelles, minières comme agricoles, ça suffit. Voilà pourquoi nous avons renforcé nos capacités. Et nous sommes, je peux le dire aujourd'hui, en mesure de pouvoir faire face à n'importe quelle adversité venant de ce pays-là. Donc nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à défendre notre pays et je n'exclus aucun scénario pour défendre ce pays et avoir la paix véritable en République démocratique du Congo. Bino Moko Bolandi, président de la République, Azali clair et net, donc à répondre sans ambiguïté, donc Lusolo Ezate, M23, Azulukato Solola, président de la République, a comprenant déjà Bajé Wanatan, Boro Solola, Boganieta, le Bango, Bao Bazalai, Kuna, Bayepana, Ezalite, donc Toko, Memabino, Namando, Kiti, Nasuka, et puis Boye Bake, Nenka Naep Sarabino, Kemuta aussi, ça va faire Ezali, président de la République, Fachi Beton. Parce qu'Azali moi na mboka bino moko bo moni ndenge Kagame a komi na suka a komana na niveau OET. Et puis président de la République na biso na kati kaka ya conférence wana na retour à déjeuner mardi 19 à Solola ki ndenge na epsa bino une introduction pour la première fois président de la République na biso a beti masolo suite ya keso batuna ki ye pour na élection OET et le kana mboka na biso place à joie pouvoir devant Kabila. Donc, Batebele Boyebinde, Balbaka présent, Zoate, il y a eu arrangement politique, Batikela Kieko Tikela, donc Abima le troisième, que l'élection en est à la quitter, donc Boyebi dernièrement, ex-président, il y a Sénipé, à Salaba déclaration en Dengwana, président de la République, à répondre à la question, sans que tu aies maïna mounoko, à tangi même, Bakombo, il y a ministre des Affaires étrangères à Kala, PC exemple, et puis directeur, il y a cabinet, il y a Kanambe. Donc, à répondre à ma solo, donc vraiment, à répondre à mon endroit, donc, pour comprendre que Fatia Zaga est mystique. Binomogo Bolad. Pour ceux qui ne le savent pas, encore une fois, c'est pour la première fois depuis son indépendance que dans notre pays, la République démocratique du Congo, il y a eu une alternance pacifique et démocratique à la tête du pays. C'est-à-dire, sans effusion de sang, un opposant venu de l'opposition radicale, bien sûr, au régime qui était là, a pris le pouvoir. Sans effusion de sang, je le dis, sans mort d'homme. Avant, pendant et après le processus électoral. Et j'en veux pour preuve, parce que j'aime parler avec des évidences, deux personnalités qui sont encore vivantes aujourd'hui, M. Raymond Tshibanda et celui qui a été le dircap de mon prédécesseur, Maître Mouilania Nehemi. C'est le premier, Raymond Tshibanda, qui m'avait contacté déjà après le résultat des élections. Et d'entrée de jeu, lorsque nous nous sommes vus, je lui ai dit, cher grand frère, si vous m'avez appelé ici pour trouver un arrangement afin que je devienne le premier ministre de votre candidat, c'est-à-dire Emmanuel Chadari, c'est niette. Parce que moi, j'ai gagné les élections, je le sais, j'ai les résultats et je n'entrerai pas dans ce scénario.
Il m'a tout de suite rassuré en disant, vous savez, les résultats, on peut en discuter, chacun a ses résultats, mais moi, je ne vous ai pas appelé pour ça, et donc on est entré dans le vif du sujet qui a donné lieu à la formation plus tard, lorsque j'ai rencontré mon prédécesseur, de cette coalition. Et le lendemain, je voyais également M. Nehemi Mwilania, qui était en son temps directeur de cabinet du président sortant, et à qui j'ai répété la même chose. Donc aujourd'hui, ceux qui parlent de fraude doivent nous en apporter les preuves et dire qui est responsable de cette fraude. Bilomoko Bolandi, donc vraiment à présent, yo karabamba kamnyos tout mais babamba kamususu tellement ezali donc trop bas à quoi yoko tate menet, bah pesa ki occasion bah poser question donc à expliquer batu. Donc nepsi bilokaka, masolo ndenge zaiki wana vraiment na nyango ko yoko gagner UDPS ou bah sangana isusu na UNC. Donc tous en a sérieux. Donc Mouto Bolba a gagné 65%. Ceux qui a quitté na balabala bengi batu. Et puis 65%, est-ce que Fayulu baye bien na Équateur? Baye bien na na bakota musika. Na kini kutu baye bi kutu ye. Na kini kutu Fayulu abima député même pas national, député provincial. Et puis à kota ye moko na parlement. Azala en tout cas, décidé gagner les PS. Donc vraiment, toko s'interniser là-dessus, te biso tozali suko na kati ya deuxième mandat ya président de la République, président de la République a répondu à qui question parce que ba posa qui est yango. Donc akoye ki kotika yango te a beti penza masasi azongi si batunyo surtout na temps. Et puis donc toujours na même conférence de presse na presse donc internationale, président de la République a répondu à qui na epsek bino ba question izala ki koya donc bakoki kolobano ko poser au te non baba ko poser ba question surtout. Président de la République a répondre sur arrestation et à Salomon au yazali bras droit il y a Moïse Katumbi au bah lié qui est kaka donc une tarmac avant qu'on t'avion donc vraiment match est si lié kaka pas quoi balier donc à mon égard neti donc à Sagani t'es pas battu mais donc service Zali service secret service au il y a président Zali Makambo bino bolobar na internet y a ngote président yebi ba masolo donc à répondre à qui sur masolo au yonde ba kangela qui Salomon. Et puis a expliqué qu'il y a Kokota masolo oyo ya justice té akoyi Kokota ngote donc séparation pouvoir ezala ka respecta ngo donc akoyi Kokota té et puis na katika ya masolo ba arrestation a répondu ki pe na question ya arrestation à journaliste à Soukoyo Stanis Bujagera oyo azali pe en même temps correspondant ya Jeune Afrique donc à répondre à lobby ndengini bakanga ki est parce que a kota ki na masolo oyo azo pesa ba information oyo azo vérifier té ba information oyo ya mabé oyo vraiment est sensible na makambo a mort oyo ya Chérubin Okende donc azo pesa ba masolo a pandia ngona ba Jeune Afrique or eko sala maté président de la République a explicité ba arrestation wana nyo surtout a lobi malgré que neti albi jeune frère na donc président za moko nestaniso a lobi malgré ka yebi parce que ça la campagne na ye azala ki na ye tant ba la campagne pour na présidentielle o le ka ki wana mais malgré ka yebi mais makamba justice o ya sali izali président de la République mutoko kota masolo na te parce que soko kota masolo na a yebi Stanis wana ngo kota mais a lobi donc vraiment séparation à pouvoir ezali à kota na masolo ya justice mutu ezali ko sala masolo parce que soki bakangi mutu na pouvoir o ya Félix Antoine Tshisekedi c'est que likambo ezali binomoko bolanda explication au président de la République à Pessi journaliste a posé qui est concernant arrestation il y a Salomo na il y a journaliste Stanis Bujagera donc restez connectés sur Clébois Original on revient tout de suite. Bonjour monsieur le président, merci de recevoir toute la presse américaine et internationale à ce déjeuner de presse. Vous avez dit votre attachement à la démocratie, vous avez dit combien vous étiez fier d'incarner la première alternance démocratique sans effusion de sang dans votre pays, c'était en 2018-19. Et voilà que dans 3 mois, vous êtes candidat à une nouvelle élection présidentielle. Les Congolais votent et vous voulez que ce soit un grand rendez-vous avec la démocratie.
Mais toutefois, Monsieur le Président, est-ce que il y a deux arrestations qui ont eu lieu ces derniers temps? L'arrestation en mai dernier de Salomon Kalonda, le bras droit de l'un de vos principaux adversaires à venir, Moïse Katumbi. Et est-ce que l'arrestation il y a 10 jours de notre confrère de Jeune Afrique, Stanis Boujakera, et ceci en dépit de la nouvelle loi que vous avez fait voter sur la protection des sources des journalistes, la loi à laquelle vous êtes très attaché, est-ce que tout cela ne risque pas de ternir votre bilan? Quels sont les engagements que vous pouvez prendre de ce point de vue pour votre campagne et éventuellement pour votre second mandat si vous êtes réélu? Thank you very much, Mr. President, for inviting the international media to this press lunch. You have. On va prendre la question de Yassine Adjar sur la même table. Comme ça, le président pourra répondre. Thank you so much, Mr. President. Thank you for inviting me to come to this boardroom, to press conference. First of all, you give us today something we never think about that and never heard about it. In Iran, we have it in Congo, that's an important country, and have the United States. And we are more welcome, you're going to have the power from here. For the election, if it's a free country, and fair election, you will make it. Believe me, you have very good charisma, and you look good. You look very good. Take my word, and don't forget that name, Yassine Adjar, in USA. You're gonna win, and you will make it, just let me know. I guess everybody understands what I'm talking about. Yes. Pour cette dernière série, on va prendre les questions de Michael Kavanagh, de Bloomberg. Bonjour, Excellence. Merci beaucoup pour l'avoir. Michael Kavanagh avec Bloomberg News. Je veux poser une question sur les investissements. Trois parties, en fait. D'abord, sur le contrat chinois, est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails de cette révisitation? Et aussi sur Inga. La même chose. Et si je ne me trompe pas, il y a aussi des négociations avec l'Arabie saoudite maintenant. En quoi consistent ces négociations? Et est-ce que les États-Unis font partie de ces négociations aussi? Avec l'Arabie saoudite, vous êtes sûr? Peut-être que je me trompe. Ça, c'est la question. Nous avons de bons rapports avec les Américains, bien sûr. Et ils ont manifesté aussi un besoin de venir investir en République démocratique du Congo, mais c'est pas encore du concret. Il y avait un voyage, n'est-ce pas, du ministre de... Oui, il y a eu un ministre saoudien qui est venu et qui a vraiment dit cela. Mais nous ne sommes pas encore dans le concret, comme par exemple avec les Émiratis. Là, avec les Émirats, on est bien avancé. Ok, peut-être que vous pouvez parler des Émiratis au lieu de ça. Merci. Je peux poser la question à l'anglais aussi pour vous aider. Just to ask three questions about investments. The first is on Inga, the dam project. The second is on the revisitation of the China contract. And then the third was going to be about Saudi Arabia, but apparently those negotiations aren't happening. So I asked about the negotiations with the UAE. Thank you. Merci. Voilà. Donc, oui. Allez-y, s'il vous plaît. Non, non, mais il faut que je recommence par le voix bouquet. Il est beau, par Christophe. Pour dire que moi, j'ai un principe. C'est celui de la séparation des pouvoirs. Et je crois que en occidental, convaincu et convaincant, vous comprenez bien ce que je veux dire. Je ne me mêle pas de ce qui se passe avec la justice. Mais évidemment, comme le dit la Constitution, je suis le magistrat suprême. Sans juger, bien sûr, je peux m'enquérir de certaines situations sans m'immiscer dans
dans les affaires de la justice, surtout lorsque cela suscite des polémiques. Et donc je dirais que dans les deux cas que vous citez, ce sont des enquêtes qui sont en cours. Ce serait hyper maladroit de ma part d'oser faire un commentaire là-dessus. Tout ce que je fais et ce à quoi je veille, c'est que les droits de ces individus soient garantis et respectés. Maintenant, si on me prend, on arrive à me démontrer que leurs droits n'ont pas été respectés, je suis prêt à aborder le sujet. Mais une interpellation par une institution comme la justice, ça se constate. Pourquoi voudriez-vous que le même principe, par exemple pour la presse, j'ai lu d'ailleurs il y a quelque part là, qu'il y a quelques 2 ans peut-être, je crois, une journaliste française avait été interpellée pour avoir divulgué des informations stratégiques, interpellée et gardée à vue. C'est récent, aujourd'hui. Hier ou avant-hier. Un peu plus loin, il y a Julian Assange aussi, oui, qui avait émis et qui a été traqué comme une bête immonde parce qu'il est allé se cacher dans des ambassades, notamment en Grande-Bretagne, mais on l'a traqué jusqu'à le point parce qu'il avait divulgué des câbles diplomatiques stratégiques. Quoi de plus mal que la justice essaie de s'intéresser à ça, d'autant plus que pour le journaliste Stanley Boujakera, qui est un jeune homme que j'aime bien, pour la petite histoire. Il a couvert notre campagne, au moment de ma campagne électorale, je dis notre campagne parce que nous étions en coalition avec l'UNC de Vital Kamerhe. Il l'a couvert, il était de tous les combats avec nous, donc vous voyez que j'ai de la sympathie pour ce jeune homme. Je regrette ce qui lui arrive, mais je ne peux pas faire entrave à la justice et ne pas permettre à celle-ci de faire toute la lumière. D'autant plus qu'on parle de mort d'homme, là. Rappelez-vous, Chérubin Okende, ancien ministre, qui a été mon collaborateur pendant longtemps, très apprécié d'ailleurs par moi, est mort dans des circonstances suspectes qui, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas encore élucidées, malgré le fait que nous avons fait appel à des enquêteurs internationaux belges, par ma demande personnelle adressée au Premier ministre belge, sud-africain, français aussi, un élément se trouvant en poste à l'ambassade du Congo et la MONUSCO, à l'ambassade de France au Congo plutôt, et la MONUSCO. Et malgré tout ça, on prend le risque de désorienter l'enquête et l'opinion, donc je crois que ça peut intéresser la justice. Quant à l'autre cas, malheureusement, nous sommes en situation de guerre, nous imposer par le Rwanda, et la justice s'est intéressée de très près aux accointances qu'il y aurait entre ces personnes, entre cette personne et nos agresseurs. C'est ce que je peux dire à ce stade sans vraiment violer le secret de l'instruction. Parce que je tiens à la séparation du pouvoir, mais en même temps, je tiens au respect des droits des personnes qu'on interpelle, des personnes qu'on accuse. Donc, j'espère que c'est clair. Et puis, à Silici, Masolo, Oyo, il y a justice en Bokanabiso, à Kotipe, à Sololi, Masolo, il y a partenariat entre RDC, Naba Société Chinoise, Oyo, Boyebi, COP, Oyo, et Salamaki, ma signature, il y a partenariat, il y a Masolo, donc il y a contrat, Oyo, Zalaki, contrat, Mo, Zalaki, en avantage, il y a Chine. A Kenapé na Chine a profité qui basolo la yango, mais et donc quand monsieur le président de la République a le bien yango aïe aïe si bachinois bah on m'a chinois bah reconnaître que vraiment contrat on est acquis bien t'es mais bachinois bah ici bas allez qu'au cas moi bah mon pensa que président de la République a zali vraiment moi n'amboka ya solo parce que a lobby bateau bah prédécesseur né bateau bah signé qui contrat liboso bah l'antaque a intérêt à congoter
Bachina balobi, est-ce que Bisso toza wana te poto défendre Congo? Donc tomoni penza ki makambo yebisi biso batoyo basina ki contrat na biso bakipa ki angwata mukete bakipa na bango kutute ezani tu contrat travail d'auto ba pesi yo contrat na yo na employeur na yo employeur akoma ba makambo robo mais contrat sou ba pesi yo faut tanga mais africain congolais surtout tanga contraté so ba yebisi ka obanda musala jour boya ba pesi contrat signé mais mindele muso pesi contrat arbitre en une semaine et koti na ba cabinet ba avocat parce que ba clause mususu za na ba contrat na ba français mususu ba tsaka na ba contrat même ba contrat téléphonique donc au moins à côté mon ba combien on a mukebo OK ba grand masolo yango na ba contrat mususu moyo tango ils ont faux ba avocat ba comprendre donc français wana français ko lobeza makam mususu français administratif ils ont ba makam mususu donc vraiment président de la république a explicité contrat wana bomoni penza ke ba chinois ba kamu e balubi ah biso to kota to défendre te biso to tala intérêt na biso bino soki botangi contrat bondimi biso to tala intérêt na biso donc bino moko boyo ka ndenge président de la république a expliqué contrat oyo ya Chine oyo sinyamaki na era kanambe président nga kenai ko rattraper ngonde ba chinois ba moko ba reconnaître ezala kate donc contrat wana ezali penza bien te bino moko bola. I have always had a principle of making sure that there is separation of powers. I would not like to be part of what is going on within the justice system. I can find out what is going on and make sure that whoever is in the hands of justice has got his or her rights properly defended. And if their rights are not defended, I will make sure that this happens. Of course, there have been examples of French journalists who have been arrested recently. And then you may recall also the situation with Julian Assange, who was sought after, and he went to India to take refuge in an embassy. Juste m'arrêter à ce niveau-là. Vous me permettez de dire, quand je citais ces deux cas, c'était pour demander à M. Wabouvier pourquoi est-ce que lorsque ça arrive en Occident, c'est normal, et quand c'est en Afrique, on pense qu'il y a un lit sous roche, qu'on est en train de violer les libertés des gens. Pourtant, ce sont les mêmes circonstances. Alors, la deuxième question. La deuxième question, c'était plus, je pense, la question de M. Yassine, c'était plus un encouragement. Je n'ai pas noté de particulière question. Merci, Yassine. Merci. C'est celle de Michael Caramy. Oui, Michael, permettez-moi de ne pas... parler ici des termes des contrats entre la République démocratique du Congo et ses entreprises chinoises, parce que d'abord, je n'ai pas fait partie des négociations, mais j'avais tracé, simplement comme je l'ai dit ici, une ligne qui montre les principes que je défends. C'est-à-dire, nous voulons un partenariat qui soit gagnant-gagnant, win-win. Jusqu'ici, nous avons constaté, et je ne suis pas le seul à le dire, je vais parler de l'inspection générale des finances, qui est tenue et dirigée par un homme vraiment brillant, Jules Alinguete, pour ne pas le citer, qui a fait le constat que depuis que nous avons contracté cette entente avec les Chinois, il y a, eux, les entreprises chinoises ont gagné près de 10 milliards de dollars et la République démocratique du Congo n'est même pas à 1 milliard. Donc, c'est vraiment disproportionné comme un partenariat et il fallait rééquilibrer cela. Récemment, j'ai effectué un voyage en Chine où j'ai parlé de cela. Nous avons donc rééquilibré les choses. Et nous avons été heureux de constater que nos partenaires chinois étaient disposés aussi et ont compris que
la République démocratique du Congo avait raison de regarder les choses dans cette manière. Et ils ont fait le constat malheureux que jusque-là, malheureusement, avant nous, il n'y avait pas ce genre de considération. Donc ce n'était pas à eux de faire le travail des Congolais à la place des Congolais eux-mêmes. Voilà pourquoi ils ont été enthousiasmés par l'idée, la proposition de la République démocratique du Congo de revoir ce partenariat dans le but de faire aussi gagner la République démocratique du Congo. Et nous sommes repartis de plus belle dans une nouvelle aventure, cette fois-là sûr d'être satisfait et de ne pas laisser un des partenaires frustré sur le côté. Le mot Bolandi, Siko Kaka toujours na cadre à partenariat pour Narosu Kisa, président de la République à Solek Siko partenariat au ya Congo Nabisona Emirat, donc Arabes Unis a expliqué qui parce que donc Talaka Kabandi Bouana Baya Kate. Bah c'est déplacé raté donc bah toi on a bah soutenu à Pembe Wana donc il faut qu'ils décident comment bah aller mais ceux qui bah se déplacer ils a jeté bah toi on a bah pétrole dollar Wana bah ça leur a coûté jeté ça bah est-il bah beaucoup en abîme donc vous allez na chance toi président de la République expliquer qui m'a cambo tout ça na bango a bête qui c'était surtout on a nazo libino côté ya éducation donc programme mon que ils allaient Wana comme dans Alef où ils allaient quoi consister y a quoi enseigner ban en abîme na bachik na ba tablette au lieu donc moi na même makaba baba ba cahier belé ba sac belé ba au cause ça système il y a tablette donc ba parents pe bazali na yango bazo suivre ma solo bazo pe ça moi na moi nazo même makaba tablette ba kambutu ezali na kati donc expérience moko et que ça le lancement moko et que ça le en novembre wa donc en novembre donc avec 52 écoles bah au banana na 52 écoles parce que Congo za munine ba expérimenter na ngo batala ndenge nini ekoleka bo kabine mo président de la République ndenga expliquer partenariat wana na Émirats Arabes Unis concernant éducation donc enseignement au sur tablette ya banana biso restez donc connectés sur Eclébois original on revient tout de suite le numérique et l'éducation nous y sommes déjà avec le programme Aleph des Émiratis, qui consiste à enseigner à nos enfants par des tablettes. Plutôt que de les faire transporter les cartables habituels, ben ils viennent rien qu'avec des tablettes et l'enseignant peut produire ses leçons à travers ce moyen-là. Les parents peuvent également avoir accès à cet appareil pour réussir à suivre leur enfant. Donc voilà le modèle sur lequel nous sommes en train de réfléchir. Il y a du côté congolais déjà une commission qui s'est penchée dessus, qui a été aux Émirats pour voir. Les Émirats qui sont venus en République démocratique du Congo. Et si tout va bien, nous pourrions lancer une expérience pilote au mois de novembre, en prenant 52 écoles, nous avons 26 provinces en République démocratique du Congo. Nous choisirons deux grandes écoles par province, où nous allons expérimenter cet enseignement, en espérant que dans les années qui viennent, on pourra le généraliser. Voilà ce que je veux dire en substance quant à ce qui concerne les relations avec les Émiratis. Donc bino moko bowiti kolanda Congo na biso ezali ko pusana. Donc Congo na biso ezali vraiment avec Félix Antoine Tshisekedi soko ndimi ete bon na ebité mais vraiment au musala ezali ko sala ezali ko monana na mokili mobimba yangwana donc Congo e komi attraction mboka nyoso to elingi ye pa na biso batu tout balingi ba coopérer ka na biso donc Congo pays solution par rapport ya masolo ya climat par rapport à ma camionneau surtout baso lingo ça là oui bah voiture et coco maga ben électrique donc batterie wana ma cambouture ça na Congo na biso donc bino moko bolandi donc vraiment ils ala qui très bien face à la presse oyo donc presse internationale et posa qui ba question yo surtout bolandi yango donc autour ya déjeuner président de la République na bien exercice ils ali faut ala vraiment présent moko azali démocrate présent moko azali dictateur c'est parce que ma question oyo ce que azali dictateur ou bien ozali mutumoko olingi liberté d'expression te oko linga jamais oya côté le ma devant ba journaliste oyo international ba poser ba question surtout ba lingi donc yango wana to tena ki vraiment to décortiquer les bino
sujet auto monnaie vraiment ça qui intéressant pour Nabino. Donc vraiment tokomi na souka ya édition spéciale Nabiso ya lelo. Donc vraiment restez connectés sur Kleboa Original pour la suite de nos programmes. Avec Kodiassimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, un tselé au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalébo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiassimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiassimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiassimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Basangsena celery, basangsena pomme de terre, basangsena munganza, lombisi a du vitamine, basali sous, nangulu, basali sous, makayab, brochette, autobini kamundeli, mayebo, nobilo que nous sommes moka, pas galaxy mambo, tozolia, c'est mambo galaxy, nous sommes pas la bana moka, yangwana kongole. On a ici que vous là, or que ma communauté est bali. On s'allait 6 mois au bout de la propriété. Tiens, vous avez la liste. 8 ans. Quel restaurant? Et ça, vous au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite le 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. C'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya bana mboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngweza ka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o kolisa nka na poche et na kosi na poche a veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils ont plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais, congolais ka kamta oye bango. Donc congolais ka mutaye bango. Congolais ka muto oye ba elengi nini yo yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya bana mboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba, okozwa ngo pe par mois. O bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya bana mboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business,
votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, les débeautés, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de Javel, savon de Marseille, casserole et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Asosa dans la commune de Kassavubu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours ça marche comme ça là, avec la diminution. Toujours. Salon même Wami, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. Mettre sur pied et nous créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des conseils. Oui, bon, nous sommes comme on a au sein d'un au yo, aux amants à main, c'est vrai, tout en a canaillot du vent.